Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la résistance en France. Elle commence avec l'appel du 18 juin 1940 lancé par le général de Gaulle depuis Londres à la BBC radio anglaise. Au lendemain de l'appel du maréchal Pétain à cesser le combat, le général de Gaulle appelle pour sa part à continuer le combat et à résister. Il fonde une organisation, la France libre, dont les membres, les forces françaises libres, sont surtout présents dans l'Empire colonial français, en Afrique équatoriale, où le général de Gaulle reçoit le soutien du gouverneur Félix Éboué. Les FFL sont donc la résistance extérieure. Il existe aussi une résistance intérieure. Dès juin 1940 se constituent des réseaux de résistance dans la zone de Vichy mais aussi en zone occupée. La résistance peut être civile. Elle commence par l'information avec la distribution de tracts appelant à la grève, au sabotage, au refus du STO à partir de 1942. De plus, des journaux clandestins sont publiés comme Combat, Libération ou Franc-Tireur. Un épisode marquant de la résistance civile fut la grande grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais en mai-juin 1941. La résistance civile fut aussi le fait de cacher des juifs pour leur éviter la déportation et leur sauver la vie. Les personnes qui ont fait cela ont reçu la distinction de juste parmi les nations après la guerre ou de juste de France, comme la famille Bonassis. L'organisation Amitié chrétienne dans la banlieue lyonnaise à Vénissieux est parvenue à sauver 108 enfants juifs en 1942. La résistance est aussi militaire, des sabotages sont organisés contre des trains, des usines, des camions. Des attentats sont commis contre des responsables nazis. Par exemple, le général SS Julius Ritter, responsable du STO en France, tué par le jeune résistant juif Marcel Reymann de la MOI, main-d'œuvre immigrée, composé de résistants d'origine étrangère et communiste, dirigé par Missak Manoukian, survivant du génocide arménien. En 1943, Jean Moulin, envoyé spécial du général de Gaulle en France, crée le CNR, Conseil national de la résistance, pour unifier les différents mouvements de résistance. En effet, on trouve de nombreuses familles politiques dans la résistance. À gauche, des communistes, appelés francs-tireurs partisans. Des socialistes et radicaux dans le mouvement Libération de Lucie et Raymond Aubrac. Des républicains du centre et de la droite, démocrates chrétiens, dans le mouvement Combat de Henri Freinet. Les syndicats ouvriers, comme la CFTC et la CGT, font également partie de la résistance. Jean Moulin remplit sa mission en faisant reconnaître le général de Gaulle comme seul chef de la résistance, qui prend comme symbole la croix de Lorraine. Mais il est dénoncé, arrêté et meurt sous la torture du SS Klaus Barbie. Les combattants de la résistance intérieure, appelés les FFI, Forces françaises intérieures, participent aux côtés des alliés et des troupes des forces françaises libres à la libération de Paris en août 1944. Le 25 août 1944, le général de Gaulle défile sur les Champs-Élysées en compagnie de Georges Bidault, président du CNR. Il met en place le GPRF, gouvernement provisoire de la République française, qui applique le programme du CNR en nationalisant les mines et l'énergie, création d'EDF et GDF, en créant en 1945 la sécurité sociale, sans oublier qu'il donna le droit de vote aux femmes dès 1944.